and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make. Salut mon petit gars, ce jeu contient des scènes plutôt choquantes, dit langage pas très catholique. Alors si t'as pas plus de 18 ans, je te conseillerais d'aller jouer à Bambi mon petit gars. Par contre, si ton papa et ta petite maman sont d'accord pour que tu regardes la vidéo, y a pas de souci mon petit loulou. Mais n'oublie pas le petit pouce bleu et puis de t'abonner. Salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur la chaîne, ce sera pour Bulletstorm, un jeu que je surkiffe. À l'époque sur la PlayStation 3 et la 360, moi je l'avais sur 3.6 et ce jeu c'est tout simplement de la frappe, ils l'ont remasterisé sur PlayStation 4 et ben, j'ai pris mon temps pour le reprendre parce qu'il était dans les jeux du mois et quand j'ai vu ça ben, j'ai de suite profité quoi, parce que c'est juste un monstre, ce jeu c'est vraiment de la patate, c'est bourré de sa mère, c'est trop bon. Et attendez, qu'est-ce qu'il me dit là? Attention, Bulletstorm contient plusieurs passages dans le langage. Voulez-vous jouer sans filtre de langage? Oui. Voulez-vous jouer sans filtre de sang et violence? Ben oui, je vais pas mettre un filtre. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère, de mettre un filtre. Normal, hein, on va mettre normal. Donc, sur ce jeu, le héros principal, celui que vous avez vu qui avait l'arme sur la droite, il faut savoir quand même qu'on a la chance d'avoir une des voix françaises importantes du jeu vidéo, une personne qui a fait pas mal de... qui a prêté sa voix dans des films, dans des jeux, qui n'est autre que Emmanuel Grady quand même, hein, donc c'est pas n'importe qui. Il a fait quand même... il a prêté sa voix pour... je sais plus quoi dans merde, comment ça s'appelle déjà ce truc de vampire, Twilight. Il a fait Assassin's Creed, il a fait 6 bras je crois, si je dis pas de bêtises. Il a prêté sa voix pour certains gardes dans Batman Arkham City. Il a fait aussi la voix, pour ceux qui vont le reconnaître, la voix des joueurs en mode multijoueur de Battlefield 3. Il a fait quand même pas mal de choses, vraiment. Il a fait aussi la voix de Left 4 Dead 2, il a fait la voix de Nick, il a fait Mafia 2, il a fait des voix dans plein de sortes de jeux. Donc c'est une personne qu'on n'a plus besoin de présenter. Et vous allez reconnaître la voix tout de suite, vous allez voir. Et c'est vraiment de la patate ce jeu, tout simplement. Je surkiffe. Par contre, attendez, j'ai fait le con, j'ai pas mis le minuteur. Ah, ça, par contre, c'est quoi? Mettre le minuteur de suite. Vous le comprenez pas. Les gars, écoutez-moi. Tiens. Bois encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Voilà. Vous reconnaissez? Allez, vous allez voir, vous allez kiffer, les gars. Prends mon flingue. Mais vise pas en plein milieu de la cible. Hein. À toi de jouer maintenant. Écoute, plus vite tu répondras à ma question. Ah, t'aurais de chance qu'on rate notre coup. Vous reconnaissez cette voix de malade, les gars? Oh là, il lui dit que on peut tourner à droite, à gauche. Je vais tout vous expliquer, ok? Bon, c'est vraiment un putain de jeu bourré, en tout cas, je vous le dis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est Bloodshot. Prime sur nos têtes. Un demi-milliard pour chacun. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixé. Un demi-milliard. Ah pardon, il a roté, du coup toi, je pouvais que suivre. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Putain de merde. Vous êtes tout raconté. Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. T'as la crotte au cul, mon pote? Ah, ça fait du bien de rejouer ce jeu. Allez, on va t'en faire un tour là-bas, petit con, va. Hey, c'est le troisième de la semaine. Moi, bon, j'espère que le son du jeu sera pas trop fort, que vous m'entendrez bien. Allons attaquer des vaisseaux confédérés. Ouais. Pour justifier la prime. Ça, ouais, mon pote. Ah ouais, le jeu il a pas... Bon, ils l'ont remasterisé bien sûr, hein. il est pas trop moche, hein. Moi j'aime bien. C'est un peu la lignée de Duke Nukem, des trucs comme ça quoi. Il est quand même sorti en 2011 le jeu, il me semble. Donc il y a quand même un bon bout de temps. Ouais, toi t'es un bon toi. Voilà, on va ouvrir. Oh, merveilleux. Salut. Oh non. Ah,
Ça, c'est les bons jeux à l'ancienne, les potos. Chasseur de bruit. Voilà. Merde, j'ai la télé qui va s'éteindre. Tu l'avais fouillé. On confie pas des tâches importantes à un mec bourré. Ouais. Tout ce que tu touches se casse la gueule aujourd'hui, on dirait. Va te faire foutre. Ça me fera de l'air. Maintenant, je sais pourquoi il boitait l'autre. Le bâtard, l'autre, il a mis une grenade de ouf dans son anus. C'est trop beau, les gars, je vous jure, je kiffe trop. Pas besoin de te dire que te baisser. C'est bon. Je suis pas débile. Bon, en tout cas, si le son était trop fort et si vous m'entendez pas trop bien, je réglerai ça dans la prochaine vidéo parce qu'il y aura forcément une prochaine vidéo sur ce jeu. Ce jeu est juste monstrueux. La porte a l'air coincée. Non, c'est vrai. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. Bon, allez, je peux l'ouvrir ou pas, là? Ta foutue porte, là. Tire-lui dessus. Tire sur quoi, frère? Tire sur ce truc. Lequel de vous a eu la bonne idée comme ça qu'il de laisser une nova grenade au chasseur de primes? C'est l'autre camp qui était censé le fouiller, là. J'arrive tout de suite. Y a rien à boire dans le coin? Non. Juste un peu de diluant dans la réserve. Gray, on a un problème. J'ai besoin de vous. Vite! Maintenez X pour courir. Ça, par contre, ouais, c'est pas pratique, le X pour courir. L'utiliser. Vous voyez, ils appuient comme ça sur les boutons. En gros, c'est le hasard, c'est pas où tu vas. C'est le mec qui met un coup de poing dans le bordel, quoi. Il se prend même pas la tête, ni rien que pas. Ah ouais, c'est de la frappe, ce jeu, les potos. Capitaine sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir, qu'il était déjà... là. L'Ulysse. Je vais nous sortir de là. Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, ça, c'est pas du... On va nulle part, ici. Ça, c'est pas un vaisseau de PD, ça. C'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Gray. Sarano nous a laissés pour mort. Mais je suis bien non, vivant. Non, t'es bourré. Encore. On n'arrivera ouais, même pas pote. À survivre une minute. T'as pété un boulon, Ishii. J'ai fait le serment de te servir malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venges, Gray. Pour qu'on se venge. L'Ulysse tente d'entrer en communication avec nous. Armez les canons, ils vont piger le message. Si quelqu'un veut protester, ça va péter les cocos. Personne. Allez, on veut de l'action, putain. Allez, Raël. Sarano va regretter de pas avoir triplé la prime. Le mec il pète un plomb parce qu'on va pas tripler la prime. Allez, c'est parti, mon kiki, le bon vieux gameplay à l'ancienne. Ouais, c'est ce que je tente de faire, mon pote, c'est ce que je tente de faire. Médaille, médaille, j'ai plus d'orteil. Super. Ah, oublie ce jeu des bourrés, les gars, il est bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Salut. Ouais, je fais ce que je peux, frère, pour tout péter, ok? Qu'est-ce qui se passe? Médaille, médaille! Oh, merde! On reste pas là! Allez! Non! Ishii! C'est des types. Ok. Ishii! Bon. Yokiyama Suzuwan! On était déjà mort, de toute façon. Le truc de fou, c'est. Des années. On était déjà mort, de toute façon. Il me reste encore une chose à faire. C'est de m'assurer qu'on n'ira pas en enfer sans toi. Général, tu vas venir. Toi et tes sous-fifres, vous allez venir avec nous.
Un petit plongeon dans un puits sans fond. Yeah. Un petit pour... Bisous. Aller brûler en enfer. Ça, mes potos, c'est pas un jeu de PD, je vous le dis. Vous voulez l'action? Là-dedans, il y en a. Et ça s'arrête jamais. Quelques années plus tôt. Ces bombes anti-gravitationnelles me donnent la patate, Doc. Ouais, moi aussi, ça me donne la patate. Tu n'es pas une source de plaisir. Soldats, pas des assassins. À quoi? Tu te prends pour le chevalier blanc ici? Bah qui tu crois qu'on est? L'unité qui élimine les vilains méchants. Ça fait super bizarre une vue comme ça. Frêle. Oh, si on peut même plus rigoler un peu avant le massacre. Ce que je voudrais, c'est faire la mission, les gars. C'est tout ce qui m'intéresse. Allez, les gars, on avance. On avance les cocos. C'est là? Mais qu'est-ce que je dois faire? Ça m'explique trop bien ce que je dois faire. Ça. Les gars, aidez-moi. Aidez-moi les gars. Vous êtes trop sympa de me dire ce qu'il faut que je fasse. Ah. Coup de pied. C'est maintenant que ça me dit, bon Ishii, tu casses les couilles toi. Tu y chier là. Allez, on y va, coup de pied. On règle tout avec la violence par ici. Bon, on les appelle pas, quoi. On est juste qu'on est là, et puis on va aussi. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Ça me semble à peu près. Ah, ça me semble judicieux. Ah, c'est ça, t'as raison. On n'a qu'à annuler la mission, hein. Tout ça parce que notre hippie, le grand gourou ici, a un mauvais pressentiment. Infiltré, on y va. Avec moi. 3, 2, 2. Allez, ça c'est fait. Headshot. Sarano veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Hé hey. Putain, Ishii, je t'ai demandé de faire exploser ce truc. Pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il se passe un truc bizarre. Quoi, là? Toutes les missions qu'on a faites, on aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est parti en couille tout ça, les amis. Dérangez pourquoi, bande de cons? Vous êtes sur le lieu de la mission, espèce de sale petit. Fermez votre gueule et répondez-moi. Tous ces gens, vous nous faites tuer des civils innocents? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux? Espèce d'enculé! Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers. Je mentais. Et alors? On vient de tuer qui là? Ma mère est une putain! Ce type il prend trop le jeu au sérieux. Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous servez fièrement un général de votre confédération adorée. Pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Ouais, toi tu sais pas. Soit vous rampez devant moi et vous vous excusez platement.
Je vais te tuer! Mais merde, mec! Tu fais chier! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous! Ok, on retourne au spectre. On saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Grayson. T'es pas sûr, c'est ce qu'on verra. On va plutôt les exploser, ces saloperies. Oh, bon sang. Hé, hey, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. J'aime pas tes lunettes, mec. Elles sont moches. Reste en place. On va se battre. Vous tirez, les mecs. Sauvez ce mec. Allez, c'est parti, mon kiki. Yeah, mon pote. C'est moi qui régale. Yeah. Yeah. Merde, je vais mettre un couvert. Allez, c'est moi qui arrive. On est mort, c'est ça, on est foutu, c'est ça. Ah non, je pensais que j'avais échoué. Ouais, faut prendre l'habitude un peu parce que pour s'accroupir, c'est là où on court de base sur les jeux. Et pour courir, c'est X, c'est bizarre. Je crois que mon heure de gloire est arrivée. Ici! Ton heure de gloire, mon pote, elle n'est pas arrivée. Et descend. Va voir les flics. Ce ralenti fantastique, quoi. Allez, mangue-toi! Ça se présente mal, les gars. Bon. J'arrive. Dépêche-toi! Ici agonise, il va y rester! Vous avez vu? J'ai vu plusieurs capsules d'évacuation de l'Ulysse s'écraser! Mais c'est pas le problème! Sors-toi la tête du cul! J'ai besoin d'un coup de main! Ouais, j'arrive, c'est bon, j'arrive, man. J'arrive. Bon sang! Ici! Ici! T'es vachement grillé, mec! Je sais pas s'il s'en sortira, les gars. Je crois qu'il chie. Vite, amenez-le à l'infirmerie. Doc, est-ce qu'il... Allez-y. Ichi, t'as drôlement grillé, mon pote. T'es un peu trop cuit à mon goût. Oh, il fait quoi, Jean-Paul? Allez, ramène ton cul, là. C'est un chinois, mec. On va y mettre des prothèses. Ça va aller mieux après, vous inquiétez pas. Il a drôlement grillé, ouais. Allez. Tape un coup sur le truc, oui, allez, vas-y. Voilà. Ce truc va bientôt lâcher. Ah, ça, j'en doute pas. Il y a Ishi aussi qui va nous lâcher bientôt. Il faut se barrer de ce putain de vaisseau. Ils sont abandonnés ici. Pas si on a une chance de le sauver. Ok. Allez. Voilà, mon pote. Remets-le d'aplomb. T'es expert en cybernétique. Tu dois bien pouvoir... Je peux remplacer ses membres, mais... Regarde-le, ouais. Gray. La moitié de son corps est broyé. Mais essaye. Il donnerait sa vie pour nous, lui. Et si... J'ai peut-être une idée, mais il me faut une cellule de fusion chargée pour la biosoudure. Impossible d'en trouver ici. Évidemment, il faudra chercher. Il doit bien y avoir un moyen. Capsule d'évacuation de l'Ulysse. J'en ai vu s'écraser. Attends une minute. Il y a des cellules dans les moteurs. Oui, chef. Viens, Arel. Il a plus beaucoup de temps. Allez. On fait vite. Oh. On va chercher le matos qu'il faut, mon pote à la compote. Je vais te le dire franco, boss. T'as pas assuré. Je sais. Je nous ai mis dans la merde. Mais... Pourquoi il marche, là? Espèce de gros bruit. Portail de merde. Salut. Va voir la bâtie d'issue. Allez, ciao. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, t'es magnifique, chef. T'es un véritable porte-bonheur. La poisse te colle littéralement à la peau. Ouais, je vois ça. Regarde l'autre sortie. On dirait moi en vrai. Tiens, coup de pied. Allez.
as vécu des après-midi beaucoup plus sympas. Moi aussi, j'ai fait. Tiens, mon pote. Et ils ont choisi de faire chier de mauvais gars, mon pote. Tiens, c'est ce que j'appelle perdre la tête avec l'as, mon pote. La faune locale s'interpose, Doc. On fait aussi vite que possible. On baisse ces saletés. Dépêchez-vous. Putain de merde. Quelque chose me dit que ça va pas être une partie de plaisir, tout ça. Oh putain, j'ai fait mon coup de pied. Allez, on y va, on explose tout ça. Mais... mec, tu me tapes de là, mec. Comment tu fais? T'es trop fort, toi. Tiens. Tiens, connard. Tiens. T'es à moi, t'es sérieux? C'est ça qu'on veut. Putain, la musique, elle s'arrête d'un coup. C'est un truc de fou. C'est une musique de malade et ça s'arrête. Qui, ce clown? Ça va envoyer le saucifleur, les poteaux. Ah, dommage. Dommage, c'était bien battu et il a fini... Final Echo, l'élite. L'élite de mes deux, ouais. C'était pas qu'une rumeur. Final Echo utilise un lasso. Je croyais que les armes d'instinct étaient hors la loi. Ouais, c'est le cas. Mais là, c'est à moi que ça va servir. Oh, bordel. Je peux ressentir cette chose. Elle me comprend. Super, boss. Je suis ravi pour toi. Maintenant, rends-toi utile et ouvre le capot de cette capsule. Pourquoi c'est bloqué? Allez. Allez, on y va. Ah, je t'ai dit, mon pote, ça fait mal. Oh, bah merci. Des fois que j'aurais oublié pourquoi on est venu ici. Allez, y'a pas un petit mec que je peux attraper ici, là? Que je vais demander quel poids je me chauffe. Allez. Allez, mon pote, on passe par là. Tiens, t'as plus de casse, t'as l'autre. J'avoue que cette planète est plutôt étrange. Hey, vas-y, on t'explique et t'éclate. Faut avancer. Tiens. Oh putain, ça me fait écraser par le truc, con. Allez, c'est parti, mon kiki, l'assaut, on arrache. Allez, viens, viens à moi, mon petit père. Tiens, mon gars. T'es mon gars sûr, toi. Une saloperie, t'as crevé. Voilà, putain, par contre, je vais morfler là. On va attendre un peu, voilà, que la vie remonte. Lui, on va l'attraper. Tiens, mon gars. Ouais, ça, c'est faux, il a suité le jeu. Un jeu bourrin comme on les aime, les gars. Enfin, du moins comme je les aime, quoi. C'est bourrin sa mère et ça, c'est le feu. Voilà, on n'a pas le temps. Ils sont partout ici. Il va claquer d'un instant à l'autre. Fouillez-vous. On arrive. Tiens bon. Ici, il y a du bug que je tienne vraiment à lui. Il n'y en a pas beaucoup pour qui j'en ferai autant. Doc va le retaper, Rel. T'en fais pas. Allez, donne-lui l'appareil. Vite, la cellule.
Bah il a la cellule, c'est Rouya qui l'a. Rouya des ténébreux. Maintenant dégagez. C'est mon gars sûr qui l'a. J'ai des millions de biosoudures à faire. Allez, dégagez. On fait quoi en attendant, salopard? Voici du recours. Assister l'opération. On assiste cette opération, les gars. Et au bruit que ça fait, ils sont bientôt là. Doc, faut activer. On va avoir la visite. Doc! Doc! La ferme! Derrière toi! Dans la pièce! Non! Voici du recours. Doc! Doc! Non! Bande de... Bush, ils entrent par les conduits! Ça, j'adore qu'ils rentrent dans les conduits. Venez en pure! Faites voir ce que vous valez un peu! On va leur apprendre la vie des huîtres, nous, genre. On va apprendre tout l'eau, toi, mon pote. Tenez sec, sauvage de mes dents! Oh, le coup de pied qu'il a pris, le... Oh! Laissez mon poteau! Laissez mon poteau! Non! C'était mon gars sûr, putain! Grève! Ici! Ici va vous dérouiller, bah l'enfoiré! Flingue-moi! Fais-le! Ah, ils sont sympas entre flingue-moi, fais-le, l'autre il tient le truc. Pff, remarque, il était à moitié mort, le mec s'était pris je sais pas combien de balles, donc ça m'aurait étonné qu'il survive à tout ça, ce petit salopio. Aide. Aide-moi. Pitié. J'ai mal. Oh, Dieu merci, t'es en vie. Dieu n'a rien à voir avec ça. Pitié, aide-moi! Ichi, j'attends mon maître. Écoute-moi. T'es juste à moitié robot, tu sais. Pendant l'attaque. Doc a relié ton cerveau à un bioprocesseur robotique. Tu vas avoir du mal à t'y habituer. C'est comme une amputation, tu vois. Je vais t'aider. Toi? Tu vas m'aider, toi? Tu sais. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre en quoi tu peux m'aider. Ta soif aveugle de revanche nous a tous condamnés. Ichi, fais pas le con. Je suis désolé. Je suis désolé. T'es désolé. Ichi, écoute-moi. Le bioprocesseur résiste à son emprise. Ne le laisse pas t'affecter. Je vais te tuer, Gray. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est l'un des lassos de Final Echo. Ouais. Et alors? Tu vois la ligne de com? Ouvre-la. Coupe ton micro. Répète. Que tous les survivants signalent leur position. Reçu 5 sur 5. Toute une Serrano. Je suis coincé sur le toit d'un putain d'hôtel. Alors tu bouges ton petit cul et tu viens m'aider. Les locaux pullulent, je suis mal barré, j'ai besoin d'aide. Tous les autres échos, passez vos trackers sur zéro, en position. Je me dirige vers le centre-ville général. Serrano, ce bâtard est encore en vie. Ça change tout, Ichi. Même si tu veux pas assassiner cette espèce de salaud, il est ici et des navettes d'évacuation vont rappliquer. Calcule nos chances de survie. Tu peux pister cette femme? Ouais, bien sûr. On la retrouve, elle nous mène à Serrano et... On se sert du général pour s'enfuir. Le tuer serait contre-productif. Je sais à quel point il t'importe de m'aider. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je pensais quand même pas le tuer. Ah, c'est ça, ouais. On se barre d'ici. Je connais des super bio-ingénieurs. Ils vont te retaper ici. Sur la tête de ma mère. Mais si tu échoues, tu n'auras plus aucune chance de rédemption. J'imagine. Ichi, fais pas le con, Ichi. Je suis ton poteau, je suis ton gars sûr, mec. S'affaiblit. Si je ne la recharge pas d'ici 30 minutes,
je vais mourir. Les salauds qui nous ont attaqués, il y en a un bon paquet plus loin au sud-est. Ils ont sûrement de quoi te recharger. Alors, je viens avec toi, pour la dernière fois. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que le jeu vous plaît pour le moment. Si le son du jeu était trop fort par rapport à ma voix, je réglerai tout ça pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ce jeu qui est juste une tuerie, c'est un truc de malade. Et n'oubliez pas de partager, de balancer le petit pouce les amis, ça ferait plaisir, c'est la récompense. Et pourquoi pas vous abonner pour suivre les prochains épisodes et tout ce qui suivra sur la chaîne. Je vous dis gros bisous et bye bye les cocos.